Hey, salut tout le monde, c'est Supercell et nous on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Titanfall 2. Excusez-moi pour les retards, tout ça, et c'est parce que j'essaie de faire des vidéos avec mon cousin pour faire des vidéos sur ma console, mais ça n'a jamais marché. Fait que là, j'ai fait de quoi, là, ça a marché, là. Même comme vous avez pu voir, Halo 5, ça a marché avec celui-là. Fait que là, ça marche, ouais, ça va marcher pour longtemps. Là, fait que... Fuck de police. Non, c'est pas vrai. Bon, là, on va chercher la troisième batterie pour notre Titan. J'ai hâte de le tester, tout ça. Hein, vous aussi, vous avez hâte de l'essayer, le Titan. Hein, vous avez hâte d'avoir le jeu. À tout le personnel de la milice, rendez-vous et l'IMC vous escortera sain et sauf pour pénitencier dans Jack City. Jetez vos armes et présentez-vous immédiatement à une équipe de recherche de l'IMC. Pilote, je vous déconseille de vous rendre à l'IMC. L'analyse vocale indique clairement qu'il mente. T'inquiète pas, BT, je vais nulle part. Compris, mais je vous suggère de changer de lieu. Les équipes corporatistes approchent. Non, je veux pas te laisser. Il est courant qu'un pilote doive manœuvrer sans le Titan qui lui est lié. Ok. J'ai pas envie de m'inspirer de mon Titan. Lieutenant, vous savez quoi sur cette poubelle d'élite? C'est un mec qui est fait. Il dirige les prédateurs. Les mercenaires d'élite. 12-14, pilote d'élite! Pilote repéré, je répète, pilote d'élite! Mes systèmes de navigation ont été réinitialisés. L'embuscade de la 9e flotte milicienne nous a fait dévier de notre destination initiale. Nous sommes en territoire ennemi. Soyez prudents. Nous ne pouvons pas rester ici. Je crois toujours qu'on va s'en sortir, BT. On n'a plus le choix. Pour survivre, nous allons devoir improviser et nous adapter. Ça a servi combien de temps avec Lastimosa? Le capitaine Lastimosa s'est lié à moi il y a 973 jours. Désolé, vous deviez être proche. C'était un excellent pilote. Et un bon ami. Nous savons qu'il y a des survivants miliciens. Juste pour vous dire aussi, je sais que vous y a la patente rouge qui est là, qui peut vous déranger. Je suis pas capable de l'enlever. Je sais pas s'il va s'enlever avec quelques temps. Moi, il m'énerve, là, moi aussi. Je ne sais pas pourquoi c'est là. J'essaierai de trouver une manière pour que qu'on ne voit plus. Vous voyez pas. Je vais faire mon possible. Bon, sinon, je sais pas quoi faire. Ah, il fallait maintenir, c'est vrai. Oh, grenade. Ah. Oh oui, les grenades électriques. Qu'est-ce que je fous là? Voilà, c'est mieux. Ben. Allez, qui on peut gunshotter? Être qui, toi? Ouf! Il y a du mouvement, surveillez les flancs! Oh là, celui-là est dangereux, celui-là aussi. Pilote, votre combinaison dispose d'un camouflage d'urgence pour parer aux situations dangereuses. Le salaud qui m'a lancé cette grenade, c'est qui? C'est toi qui m'a lancé cette grenade, pareil. Eh ben voilà. Peut-être.
Ah merde, ça n'a pas marché mon truc. Oh bah. Bah, je suis mort. Attendez, je vais essayer de l'enlever le truc. Bah, ça n'a pas été long, j'ai juste appuyé sur quoi. Ça l'a enlevé. Oh non. J'ai rien dit. Là, il est enlevé. Bon. Maman. Me contourner. Pilote, votre combinaison dispose d'un camouflage d'urgence pour parer aux situations dangereuses. Couché. J'y vais en enculé de descendre. Ouf. Et voilà. Ah, il a des poules. Je suis seul rescapé de mon espoir. Aidez-moi. C'est la voix de qui? C'est le commandant du détachement des maraudeurs. Division de l'escouade de reconnaissance spéciale, ou ERS. Elle s'appelle Sarah Briggs. Ce serait pas celle que... Il reste des survivants sur ce vaisseau? Non, les scans ne détectent aucun signe de vie à bord du MCS James McAllan. Mais 90% des navettes ont été éjectées. L'espoir est permis. C'est pas ça qu'on voulait voyer dans le 1, que c'était comme avant que l'autre rejoigne la milice aussi, que la chef, je crois que c'est elle, ouais. Bon, on verra là, si on la voit. Bon, allez. Bon, allez, on va finir ça. Non mais aussi c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, ils ont gardé le piratage de Titanfall 1, les piratages au spec. Ça j'ai vraiment aimé ça, ils ont vraiment respecté ça, le qu'on peut pirater les specs là. À tous les survivants de la milice, il est dans votre intérêt. Pilate, notre position a été compromise. Oh, t'inquiète pas, dans quelques secondes il sera plus compromis. Ah, si j'y arrive, j'y suis. Ces drones sont des éclaireurs. Des renforts ennemis ne vont pas tarder. Nous devons terminer immédiatement le lien neuronal. Installer la dernière batterie. Ok. Puissance optimale. Pilote, nous devons d'abord établir un lien neuronal pour continuer. Embarquez quand vous serez prêt. On va embarquer. Protocole 1. C'est vrai, j'ai oublié de vous dire, ceux qui ont remarqué ou ceux qui n'ont pas remarqué, les titans ont vraiment changé. Si vous mettez un titan du 1 et de celui du 2 à côté, vous verrez qu'ils sont vraiment pas pareils. Ils ont vraiment tout changé.
Bon, en tout cas, moi je dis ça. Hein. Oui. Lien au pilote. Établissement du lien neuronal. Lien neuronal établi. Fusilier Jack Cooper, vous êtes désormais le pilote suppléant du BT-7274. Protocole 2. Poursuite de la mission. Conformément à l'opération spéciale 217, mes ordres sont de rejoindre le Major Anderson de l'URS. Je détecte des forces ennemies en approche. Protocole 3. Protection du pilote. Réinitialisation système critique. Bouclier Vortex en ligne. Le bouclier Vortex intercepte les tirs et missiles ennemis. Relâchez la touche pour renvoyer à l'ennemi les objets capturés. Ah ouais. Pilote, le module acolyte est opérationnel. Ce lance-roquette d'épaule peut verrouiller plusieurs cibles ennemies. Plus vous maintenez la touche, plus les verrouillages sont nombreux. Et bim. Lien neuronal actif. Contrôle des armes et synchronisation des mouvements rétablis. Pilote, largage de titans ennemis. Préparez-vous. Ouais. Nous allons devoir nous battre. T'es sûr de ton coup ? T'es sûr de ton coup ? N'ayez pas peur. Titan milicien repéré, numéro châssis BT-7274. Golpe. Bravo, pilote. Notre taux d'efficacité au combat a augmenté. Pilote, d'autres équipes de récupération de l'IMC arrivent. Notre seule chance est de respecter la mission, à savoir rejoindre le Major Anderson. D'ici là, nous sommes seuls, vous et moi. Vérifiez votre ATH. Est-ce que le bouton, quoi, il ne faut pas traîner. Ah, oh, on va voir d'autres. Ça, je vais aimer ça. Allons-y, bêté. Toi, tu me suis. Et c'est moi qui rouvre le chemin. Et c'est intéressant. C'est vraiment génial. Par contre, j'aimerais savoir son caisse. Le caisse du pilote. J'aimerais ça l'avouer. Maman, ça s'achète. Oui. À chaque fois que j'active ma welcome, j'ai tout le temps une caisse du pilote du Titan. Oui, oui. Pilote, l'IMC n'arrêtera pas de nous chercher. Notre seule chance de survie, c'est de retrouver le Major Anderson à 60 km de notre position actuelle. Si nous voulons survivre, nous allons devoir improviser et nous adapter. Ici Wombat 3-2, subissons de lourdes pertes. À toutes les forces miliciennes, besoin de renfort. On a subi de lourdes pertes. C'est pété, non ? Ravi de vous revoir, capitaine. On a besoin d'aide. C'est l'heure, c'est l'heure. Ouh, hey, mais... Ah, il m'a pas respecté, mec. Ah non, il m'a pas respecté du tout. Ah, il m'a niqué ma race direct. Ravi de vous revoir, capitaine. On a besoin d'aide. Où tu crois aller comme ça? Titan ennemi abattu. À toutes les unités, attaquez Sparia. Engagement. Ah merde, ils ont tué. Putain, je peux pas sortir de mon titan, moi. Faut que je reste dans mon titan pour là, ou c'est parce que dès que je sors, tu t'en fais un make-up direct. Ravi de vous revoir, capitaine. On a besoin d'aide.
sous-sol ou... Titan ennemi abattu. Titan ERS repéré. J'engage. Engagement des titans ennemis. Où est-ce? Je dois me supplier d'achever, pilote. Oh, tu reviens d'une petite grenade. Alerte. Engagement des titans. Pété ça, je pense que c'était un de mes alliés. Ah, vous allez découvrir un petit secret que j'ai découvert. Lui il fume beaucoup plus, fait que. Oh putain, hey! T'inquiète pas, mon gars, je te sens. Ah, il faut une autre batterie. Non, le non. Moi, la sécurité. Où est-ce pas, pété? Pété, où est-ce pas? T'inquiète pas mon fouet, hein, j'ai vu. Voilà. Voilà, je vais me soigner. Il est sur une droite, mais... Ah lui, il y a quand même de... Ah lui, il est capable de supporter quelque chose. C'est lui le problème, qu'il ne pourra pas survivre à quelque chose. Il faudra une batterie pour lui. Je sais pas si vous avez dit boule chez vous, mais si vous avez nagé, eh bien vous avez dit boule de casse-cou. Maintenant nous avons pu mettre de l'énergie et remettre de la santé au titan de nos alliés. Nous aurons peut-être une chance de le battre. Après ça, on pourrait continuer notre aventure.
Mais par là, il y en a deux, voilà. Ça doit être lui qui manque de. Eh oui, reviens ici, petit. Mais arrête! Je crois que c'est lui qui est pas là. Merci pour votre aide, on va sécuriser la zone. Ah mais. Non, non, ok, bon, aussi, lui qui manque de. Succès vilain, et vous avez maintenu un tenage. Ah, ils ont regardé même ça, pas un truc parti. Mode pilote activé. Good. Ah, ben on va aller mettre de la batterie d'un autre côté. Oh. Ah, il ramasse. Pilote, cette arme avant. C'est pour Titan, pourrait nous donner un avantage tactique. Dis plutôt que t'es amoureux. Le concept humain d'amour implique admiration, attirance, dévotion et respect. Conclusion, je suis à 50% amoureux. Pilote, 50%. Avec l'équipement du TON, nous pouvons acquérir des cibles et tirer des missiles guidés. C'est très utile en affrontement direct. Ouais. Oh ouais, c'est pas mal, mec, ouais. C'est vraiment pas mal. En plus, c'est pas les mêmes capacités, en plus. C'est vraiment génial. Allez. Ça, c'est sympa, ben. La circulation dans le complexe est bloquée par le régulateur de débit. Ah oui, voyez voir des commandes près d'ici. Ça, c'est des capacités que j'ai mis. Ben, un téléphone. Et voilà, bon, nous revoir. Ah, manqué. Bon. Ton arme là, il y a des ennemis. Ah bah oui, tire. Moi je pense pas qu'il y a des tirs. J'active la puissance sonore. Des pas de cap, on a besoin de renfort. S'il fait perdu. Pistolet, le port de protection est obligatoire dans tout le complexe. Ah, ça, ça. On va prendre ça, on va voir que ça vaut ça. Pas mal. Attaque d'infanterie ennemie. 12-14. Wesh! Il est sorti d'où lui? Mais d'où il est sorti? Ah, il m'a tiré un peu, il dit blaire!
What the hell? Tuer, toi! Et moi qui. Ouais! Ah, c'est pas mal, le truc! T'as pas été si dur. Pilote, la circulation dans le complexe est bloquée par le régulateur de débit. Il doit y avoir des commandes près d'ici. Ouais, mais tu joues les trous. J'ai rien dit. Commande de maintenance engagée. Ouverture du régulateur de débit. Ouais. Attention, vapeur toxique dans la salle principale. Procédure de sécurisation du SAS active. Pilote, le SAS de sécurité vous a enfermé dans la salle de contrôle. Veuillez trouver une autre sortie. Nous devons nous séparer. Tu crois ? Ça me paraît risqué. Au vu des circonstances, c'est un risque qui en vaut la peine. Qui vaut la peine ? Tu veux dire que je crève ? Faut que je crève ? Allez, on y va. Pilote, je suis vos déplacements. Continuez et trouvez une sortie. Ok, BT, fais pareil de ton côté. Bien reçu, pilote. Oui, il y a un sniper là. Je l'ai vu. Tiens, une mitraillette. Ah, pas mal, la mitraillette. Mon fusil. Ma mitrailleuse. Pilote en visuel. Écoutez-moi. Ici Kyle. Mes amis de l'IMC et de la milice. Notre problème, c'est le manque de communication. Mais c'est pas grave. C'est le gros sniper. C'était qui? Accès au fichier. Kane. Un mercenaire affilié au prédateur. Revendeur et consommateur notoire de narcotiques. Visuel, c'est un pilote. What? Je lui ai donné un coup avant. Mais ta mère. Je l'avais donné un coup avant. Mon Dieu. Enculé de merde. L'enfant tient ta mère. N'oubliez pas que vous êtes chez Kane. Vous pouvez séjourner ici le temps pour moi de vous buter. Ce ne devrait plus tarder. Maître des tournants, c'est les vacances. Oh merde. Chier. Mais je peux une pirate, suspect. Wesh, il a pas respecté du tout. Ah, il a pogné, il est blé. Ah, le monstre que je viens de pirater. Ah, il a pas respecté. Chiracoum 3 dans la 9ème flotte milicienne. On est retenu dans le complexe. Les corpons ont une infanterie mécanisée inconnue. On est piégé. Pilote. Je détecte des forces alliées près de votre position. Vous pourriez les aider. Aïe. Putain, tu me casses les couilles.
Au revoir. Ouais, il va bien. Putain, il est trop saoulé, celui-là. Capitaine, ça bouge près des tuyaux. Faites gaffe. Ouais, faites gaffe. Capitaine, on a repéré un pilote allié. Halte au feu, il est de RS, regardez son casque. C'est quoi ce... Ça a l'air chouette comme merde. Ça fait plaisir de voir un pilote allié. Notre escouade en a pris plein la tronche. Ils apprécieraient votre aide là-bas. Ok. C'est quoi ce... Pas un pote en fait longtemps ce truc. Où est-ce que je vais, BT? Nous devons traverser ce complexe et poursuivre jusqu'au point de rendez-vous avec le Major Anderson. C'est notre unique chance. J'ai plus la cible en visée. Ouais, d'accord. Le malaise avec ce fusil que j'avais, il y a quelques secondes, c'est qu'il n'y a pas de munitions. Faut que je trouve une autre arme pour le faire recharger. Aïe. Qu'un pilote de l'ERS et son titan avant-garde défoncent les troupes corporatistes. Qui que tu sois, pas mal, pas mal du tout. J'espère que bon. J'espère que vous cramez bien, vous. Ah, allez, on contrôle. Coucher. Comment eux ils font pour me frapper rapidement? J'ai plus la cible. Pilote, soyez prudent.
Toi aussi, BT. Où est-ce que t'es? J'ai suivi le flux toxique. Le courant semble s'accentuer, ce qui suggère une issue. Continuez votre progression. Pilote, nos chemins vont se croiser droit devant. Super, tant mieux. Mes scans indiquent des forces de sécurité de l'IMC. Soyez prêt, pilote. Et merde. Bon, voilà notre titan. On va s'arrêter là. Fait que j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, laissez un like, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas fait. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Fait que prenez bien soin de vous. Je vous fais des bisous. Peace.